Vous m'attendez ? Bah écoute, là, c'est un petit événement, c'est un imprévu, parce que Tours était à la recherche d'un petit match. Et nous, bon, vu l'effectif un petit peu diminué actuellement, c'était aussi bien de faire un scrimmage. Alors pourquoi ? Parce que ça permet, un, d'avoir un adversaire qui ne connaît pas nos plays. Nous, on ne connaît pas comment ils vont défendre, donc c'est très très intéressant, surtout à cette période de l'année où on a pas mal de choses à faire sur nous, essentiellement sur les aspects offensifs et défensifs. Ouais, c'est un peu différent quand même d'un match. C'est un peu différent, ça ressemble plus à un entraînement quand même qu'à un match. Même quand c'est un match amical, c'est plus situation de match officiel. Mais là, scrimmage, c'est un peu plus comme un entraînement. Donc, mais bon, après, on le prend avec autant de sérieux, donc voilà. Bah, disons que le décorum est différent puisqu'on joue à huis clos. On peut se mettre d'accord sur des thèmes entre les deux coachs. On peut remettre les scores à zéro. Enfin, on a une liberté qu'on a un petit peu moins sur un match amical de pré-saison, comme on a pu en discuter samedi dernier à Poissy, par exemple. Ouais, j'avoue qu'un scrimmage à 11h, c'est un peu tôt, mais on n'a pas le choix. On a des trucs encore cet après-midi à faire avec les supporters, donc c'est pas grave, c'est pas dérangeant. On se prépare juste un peu plus tôt et un peu mieux, parce que le matin, il faut mettre la machine en route bien comme il faut. Rappelez-vous, 5, make a screen, le 4 il est en train de faire ça, go this way for, go on the corner. Et ce mec là il monte, on essaye de donner, là c'est petit. Et si votre joueur ici là il ferme la raquette, rappelez-vous, flashez ici. D'accord, c'est facile ça, d'accord, on essaye de travailler ça, les switches, mais soyez malin dans les switches. Bah pour nous, c'est important de jouer parce qu'on avait planifié que 6 matchs de préparation, c'était volontaire de ma part, mais on a déjà 2 qui ont été annulés. Donc du coup, on était passé à 4. Donc on a réussi à faire un petit scrimmage de ce style avec La Rochelle la semaine dernière. Et là, on voulait absolument avoir une bonne opposition. Et c'est pour ça que j'ai contacté Germain pour savoir si ça pouvait l'intéresser. Et je suis très heureux d'être venu parce qu'on a... Voilà, bon, on a perdu le match, hein, c'est sûr, mais on a pu travailler face à une belle équipe qui au niveau athlétique est un petit peu supérieure à nous. On a pu travailler, on a avancé dans notre préparation et c'est le plus important en cette période. Sérieux, hein, plutôt sérieux, les gars sont impliqués, concentrés. Donc voilà, non, franchement, toute bonne augure là, Tyrone, Jared. Ils sont bien, Jérémy je connaissais déjà, Jean-Michel aussi, non c'est bien, mais ouais comme t'as dit je suis arrivé un peu tard, mais quand même trop tôt je crois. Donc voilà, mais non ça fait plaisir de reprendre, franchement ça fait plaisir. Franchement ça va, les choses se mettent en place tout doucement, on a des garçons qui comprennent plutôt bien le basket et ça fait qu'on peut avancer malgré le fait qu'on soit en effectif, hein. Je parle professionnel, effectif réduit. Mais voilà, les petits sont là, comprennent bien, les jeunes sont très très bien aussi. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt mieux que prévu. Allez, tout va bien ?
Ça va, ça va. Right day, ensemble. Il est mort, toi, j'en mets. 1, 2, 3, ensemble.